les pilotes. Vous êtes peut-être demandé pourquoi sur les panneaux de disjoncteurs de l'Airbus, qu'on trouve ici et ici, il y a des disjoncteurs qui ont une couleur verte alors que d'autres ont une couleur noire. En fait, les disjoncteurs qui ont une couleur verte sont monitorés par le système et si l'un d'entre eux se déclenche en vol ou au sol, au bout d'une minute, on aura un message qui va s'afficher sur les cams pour nous dire qu'un disjoncteur est déclenché. Mais en plus, il nous indiquera sur quel panneau le disjoncteur se trouve. On va faire un essai. On va disjoncter le disjoncteur du FMGC1. On a un message qui nous dit que ce MCDU utilise le Flight Management Computer du côté opposé. On voit que FM1 est affiché en orange pour nous dire qu'il y a un problème avec le Flight Management Computer. On voit qu'on a perdu un certain nombre de systèmes, en particulier tout ce qui est relié au Flight Management Computer 1, à savoir l'autopilot 1. Et évidemment, comme on n'aura plus qu'un seul autopilote, on perd la capacité de faire des approches en 4-3 dual, c'est-à-dire avec les deux autopilotes en même temps. Et voilà le fameux message qui vient d'apparaître, qui nous dit que le circuit breaker, c'est-à-dire le disjoncteur, a sauté sur l'overhead. On vérifie. Celui qui est bien visible, c'est bien celui-ci, car on voit une petite bague blanche et il est sorti. Si en revanche, on déclenche un disjoncteur noir, il ne va pas y avoir de message nous indiquant qu'il y a une erreur au niveau du disjoncteur. Par contre, puisqu'on vient de mettre en panne le système de détection d'incendie de la boucle détection B, on aura un message associé. Il y a très peu de possibilités de réinitialiser un disjoncteur en vol. D'une manière générale, on ne le fait pas. On aurait le droit juste de se référer au System Reset Table qui fait partie du QRH et qui nous donnera les interrupteurs ou disjoncteurs qui peuvent être éventuellement manœuvrés pour traiter une panne spécifique. Tout ce qui n'est pas dans ce tableau, il est absolument interdit de les manœuvrer en vol et au sol.